les CDG Développement et le Board of Fez. Donc ce soir, les Temptations avec Danny Edwards. Alors, il y a la petite mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, leurs costumes n'ont été retenus à cause du long voyage qu'ils ont fait, donc ils n'ont pas leurs costumes, mais ils sont là. Les Temptations, l'un des groupes les plus mythiques de la Tamla Motown. On est au cœur des années 60 lorsque Detroit naît le grand label Tamla Motown qui avait pour but de rehausser et de commercialiser plus à l'époque la musique noire américaine. On verra la succession de très grands groupes nets, non seulement les Temptations et les Supremes, puis plus tard les grands noms comme Otis Redding, James Brown et tous ces grands noms mythiques de la musique nord-américaine que vous connaissez. C'est un hommage pour nous aussi à l'Afrique, car l'Afrique s'est exportée et est devenue à travers elle la musique principale qu'on peut trouver aux États-Unis et qui a beaucoup influencé. Alors les Temptations ont connu plusieurs périodes, bien sûr, le blues, le soul, le gospel. Ils ont connu la période funky aussi, psychédélique, puisqu'ils ont traversé plusieurs décennies. Et ils sont donc là ce soir pour nous, les Temptations featuring Dennis Edwards. Merci. Thank you.
Come on.
You may be seated. How about my wonderful orchestra? Let's hear for the Temptation Renewals, accompanied by Raymond Harris and the Temptation Renew Horns, under the directions of Mr. James Stay Another Day McKinney. Now, Bass, how about my singles tonight? I'd like to introduce them to you. All the way from the USA, Chicago, Illinois. Let's hear from Mr. Chris Arnold. From the USA, the home of Motown, Detroit, Michigan, Mr. Mike P. Kelly. Also from the USA, from Detroit, Michigan, the son of a legend, Paul Williams Houston. Last but certainly not least, from the USA, from Birmingham, Alabama, the incomparable Mr. David. And now, Bez Morocco. For the past 50 years or more, this next young man has been the driving force behind the sound of the Tempting Temptations. He has numerous gold and platinum CDs to his credit. He's been inducted into the Rock and Roll Hall of Fame. He's responsible for the first Grammy Award in Motown Records. So, if you will, stand on your feet, turn up the lights, show your love for a six-time Grammy Award winner, Mr. Dennis Edwards. Show your love. Now, Bass, I don't know how many of you people can speak English, but when we got here, our luggage and our uniforms never leave. You know, we didn't know what we were going to do, but I knew one day we were going to sing for you guys. We got some shirts from a nearby store. You know, we wanted to wear the flashy stuff tonight, but we couldn't do it. I just want to thank you for understanding. Ladies and gentlemen, I thank you for 50 years of support and for making this the number one Temptation record. Yeah, I'm trying.
Thank you.